Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Sanctus Reach. On va reprendre notre aventure, donc la garde impériale contre les orques. On est reparti, environnement Govville, une mission d'assaut. L'ennemi tient de multiples positions défensives. On va lancer un assaut. Alors, la carte. Ouf, la carte est très grande et la taille de la force est massive. Allez, c'est parti. On va voir qui on récupère. On va terminer les level up qu'on peut et on aura probablement de plus en plus de choix d'unités annexes. Parce que maintenant, on commence à avoir vraiment une bonne compagnie full XP. Alors, les orques tiennent les positions à l'est. Ok, bon, ça a l'air d'être plutôt simple. Trois petits camps. Et on déboule de l'ouest. L'objectif pour chaque camp est de contrôler le plus de points de victoire. Alors, c'est à savoir qu'on n'en a pas au début, hein. C'est un assaut, donc il faut qu'on mène l'assaut. Mais attention, dans les assauts, l'ennemi est plus nombreux que nous. Donc il a tendance à faire une contre-attaque assez rapidement vu qu'il se sent très fort, hein. Ah, par contre, on a Darius qui est là avec son paladin, si on a besoin. Un Valkyrie, deux Valkyries, quelques Lehmann, cinq Lehmann. Des basilisques pour maintenir la pression. Alors, j'adore utiliser l'artillerie en assaut, parce que je trouve ça super pratique pour bien ventiler. Le chevalier, c'est cool aussi hein, pour tenir une position. Alors, on va prendre tous les gardes qui n'ont pas encore leur level, bien sûr. Et on verra après combien il nous reste de points. Tempestution. Épée de puissance, c'est pas incroyable en défense. Vu qu'il contre-attaque, mais en assaut, c'est bien dans un chimère en plus. On a Ashe qui est là. On a Defus Imelta qui sera très bien d'emmener contre du gros truc. Si on a trois Fus Imelta, on pourrait réduire le nombre de Lehmann russes ou ce genre de choses. Les hotshots, bah, ils ont tous XP comme des fous, hein, vu qu'ils vont trop mal. Les Ogrins, bah, on a réussi à les monter hein, petit à petit, les Ogrins, mine de rien. Ainsi que les. Ouais, les hotshots aussi, c'est normal. Sentinelle blindée, allez, on en a encore une. Troubadour qui n'est pas up. Les Psykers, les Primaris, bah, eux étaient déjà niveau 4. Hein. On a les deux là, c'est marrant. On a Ashe et Frère Tech. Qu'on pourrait utiliser. Je vais prendre les deux basiliques, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Il y a le Valkyrie là qui manque des XP. Si on a du Valkyrie et des trucs comme ça, il nous faudra quand même des gens à leur mettre dedans. Je peux mettre deux deux Fusil Melta dans un Valkyrie. Et on laisserait le niveau 2 se balader. On a aussi les deux Pentempestutions qui peuvent rentrer dans le machin. Ah, on a des Hellhounds là. Attendez, j'ai raté les Hellhounds. Qui doivent être déployés. Alors les Hellhounds, ça nous fera un peu de puissance de feu. Et le reste, ben, regardez, on a 3600 points. On peut choisir ce qu'on veut vu que... Voyez, on a commencé à voir ce qu'on voulait. Donc peut-être que un petit Haggard du Nord fera du bien sur le champ de bataille avec son canon longue portée. Il y a quoi d'autre qui peut être cool? Ben, les chars de bataille, juste pour faire du dégât global. Mais attention, les Lehmann coûtent assez cher. On peut prendre les deux Psykers. Ça fera pas de mal sur le champ de bataille. Sentinelle, on va pas en rajouter. Je pense qu'il serait bon de rajouter quelques lasers. Voire même un chimère ou deux. Hein. On a Sanguinus. Non, on a déjà deux Hellhounds, ça devrait aller. Tempestor Prime, Mirlipirli. Il pourrait accompagner. Ouais, on peut envoyer le Tempestor. Ouais, mais quoique, j'aime pas trop ses capacités au Tempestor, même s'il peut booster les dégâts, les tirs et tout ça, ça reste moyen. Non, je crois qu'on va combler avec de la garde impériale classique. Donc peut-être deux plasmas, voilà, et le reste en fusil laser, 1, 2, 3, 4, voilà. Ça nous fera une puissance de feu à distance, et là on va finir avec des gros trucs. Donc j'imagine, oh, j'aimerais avoir des Landspeeders, hein. Ce serait tellement pratique. Mais Landspeeder, c'est chez les Space Marines hein, qui les ont mis. Char de bataille, les Lehmann russes. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Prenons. On a le Punisher qui est très fort.
3, ça fait 1200 et on aurait 880. On va prendre l'Imperial Knight. Sir Darius, ça fera une grosse barrique au centre. Et pour les 180 points qui restent, ben, on va viser un commissar. Commissar impérial. Je vais réduire un fusil au plasma. Je vais pas prendre Dayakim ou Sir Darkin. Ou alors je vire un 60. Ça va être dur, il faut que je gratte au moins 200 points. Donc 160 plus 20, ça fait 180. Et 180. Non, bah laissons 20 points de force. On va y aller comme ça. Comme ça, c'est bien. Allez, on déploie tout le beau monde. Merde. Ah non, c'est bon, je suis en mode déploiement. J'ai cru que j'avais déployé comme un sac. Alors, notre grosse machine là. On va la mettre par là. On va la mettre bien devant, hein. Alors oui, évidemment, on risque de se la faire agresser d'entrée de jeu. Mais j'ai pas envie de la mettre là-haut, j'ai peur qu'on puisse pas passer. Et de l'autre côté. Waouh, il y a du chemin quand même, hein. Attendez, on va zoomer arrière pour voir un peu mieux le déploiement. Mais ouais, la taille est grande. Ça veut dire que si on place mal nos troupes, on va mettre un temps fou à rejoindre l'un ou l'autre côté. Mais d'un autre côté, imaginons qu'on mette toutes nos troupes ici, en bloc. Et ben toutes les troupes de l'ennemi à gauche ne viendront pas nous embêter avant longtemps. Il y a un pour et un contre, on va dire. Le contre, c'est que on va pas réussir à choper les 2 points de victoire si je fais ça. Enfin, tous les points de victoire si je fais ça. Parce qu'il y a des points de victoire en face, là, 2, 3, 4. Vous voyez, il n'y a que 2 points de ce côté-là. Donc finalement, le côté où on est censé... Ah non, il y en a 3. Ouais, le côté où on est censé lancer l'assaut va être plus compliqué. Ou alors, je déploie ici mon chevalier, il sera plus central. Espérons que ce soit pas une horde ici, hein, que d'un seul côté. Là, on peut défendre, il y a quand même des décors. Vous savez quoi? On va mettre le chimère derrière pour le moment. Je vais déployer les 2 L-Arm de ce côté. Si jamais on a beaucoup de troupes qui arrivent par là, au moins les lance-flammes feront le taf. Je vais pas les coller à la bordure. Chewie. Monsieur Nabo. Chubby. On va les cacher aussi derrière des trucs, voilà. On peut mettre les Lehman. Les Lehman auront quelques Overwatch si jamais des gens arrivent par là. Raté. Les Lehman russes. Tormod. Alors idéalement, faut mettre les hauts level devant. Pour 2 raisons, hein, c'est qu'ils encaissent mieux. Et de deux, bah s'ils meurent, les XP, voilà, ils les ont déjà. Donc je mets 3 Lehman de ce côté-là. Ouah, c'est violent quand même. Surtout s'il n'y a pas l'ennemi, hein. Alors ça c'est le Punisher, on va le mettre là, on va décaler lui un petit peu. Non, on peut pas le mettre, c'est un décor ça, oui ok. Lance-flamme, hop, lance-grenade, hop, fusil Melta, hop, fusil laser on peut les utiliser tels quels. On va se faire une petite ligne de défense derrière le chevalier. Hop. Fusil Melta, on le remet près de là-bas. On va voir ce qu'on met dans les véhicules, hein, mais on va les stocker ici. Le Vanquisher, bah, on va le laisser derrière, hein, évidemment ici, au centre. La sentinelle blindée, on va la laisser à l'ouest, parce que je ne compte rien envoyer là-bas. Le commissar, il va probablement rejoindre un véhicule de transport. Les épéissions. Alors j'aimerais bien les mettre dans le Valkyrie, les Sions. Mais descendre d'un Valkyrie, c'est pas pratique. Comparé à un chimère. Et le Valkyrie, il est là. Ok. Valkyrie. Ouais, on va quand même les mettre dans le Valkyrie. Ah merde, j'ai raté. Mais. Je peux sélectionner. Non, ça veut pas sélectionner. Parce que je tiens de l'infanterie. Ok. Alors, on met ça. Combien ils ont? 12. Allez, dedans. Fusil laser Roka. On va le mettre derrière ici. Ouais, lance-flamme Ragnar, hop, de l'autre côté. Et le Sion dans le véhicule. On a que 2, hein. Épée Sion, voilà. Alors je crois que l'un des deux a un déploiement rapide. On va reculer ça. Alors le Primaris Seeker, on va le mettre derrière. Fusil à plasma, on va le laisser ici. Fusil laser ici. On peut les mettre à couvert quand même, hein. Débris léger. C'est pas nul.
Rien d'autre là. On regarde la map. On a des gens ici. Lance-grenade, non. Ouais, alors on a beaucoup trop de gens qui savent pas se défendre tout seul. Enfin, d'une courte portée qui aurait besoin d'un véhicule, mais on en a beaucoup trop, hein. Donc il va falloir séparer en deux groupes. On va mettre un lance-grenade et un lance-flamme de chaque côté. Le fusil plasma, il va rester au centre. Et on va décaler le Vanquisher par là. Comme ça, on a notre ligne. Ici, on va prendre un lance-flamme et un lance-grenade. Les fusils Melta, on va les mettre dans le chimère. Fusil Melta. Voilà. Et le commissar. Ok. Donc là, on a deux places. On pourrait utiliser les psykers hein, dans le Valkyrie. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Les deux psykers. Et j'ai pas pris l'autre. Ah ouais, j'ai pas pris l'autre, tant pis. Les psykers remontent pas le moral. On va le mettre ici, le Valkyrie, parce qu'il est capable d'aller loin et les faire plein de trucs. Le chimère, on va l'envoyer avec l'Eleman. Et les Hellhounds. Le char de bataille. Alors attendez, on va tout décaler un petit peu. Voilà, on va faire un truc comme ça. Et lui ici. Très bien. Le lance-flammes. Alors on va les planquer. Et l'artillerie, elle va rejoindre sa petite camarade là-bas. Ok, on est good. Il nous reste un lance-grenade et un lance-flammes qu'on va mettre de l'autre côté. Juste pour prendre les coups avant eux. Derrière un couvert. Et derrière. Alors, en général, ils meurent vite, ceux-là. Hein. Voilà, on déploie comme ça. Alors, on est plutôt en ligne, donc ça veut dire que s'ils attaquent tous d'un même côté, on va douiller. Hein. Mais on a un chevalier et on va voir ce que ça donne. Ok, pas de contact avec les orques, alors que c'est à eux de jouer. C'est plutôt un bon signe. Et donc, on va pouvoir lancer un vrai assaut. Eh ben, c'est cool. Alors, notre chevalier, c'est quoi? C'est celui qui a comme armement le canon de bataille paladin, c'est-à-dire le canon longue portée. Il a une amélioration de récupération, donc il peut se soigner, et il a la possibilité de se redonner du moral avec les litanies de l'empereur qui protège. Donc ça, c'est cool. Ok. Il est beau, il est gros, et il est en plein milieu du champ de bataille. Tout ce qui est gros, il est beau. Dominion Tank Police pour la référence. Alors, hop, ouais, on va envoyer un scout. Voir s'il peut nous sniper des trucs. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ennemis de ce côté de la carte. Il va falloir se rendre très rapidement de l'autre côté, si c'est le cas. On va quand même s'orienter. Faire attention. L'infanterie. Elle va avancer, on va aller prendre les points, hein, s'il n'y a personne pour les protéger. On va les prendre gratuitement. Et là, on va avancer en diagonale, histoire de rejoindre quand même le champ de bataille. Mais en gardant des Overwatch avec tous ces fusils laser. On en a un qui a un gros gros mouvement. Jambe bionique aussi, ok. Bon, les deux là rejoindront plus vite, évidemment. Lui est à pas. Ok. Alors l'artillerie, on va attendre d'avoir un contact, mais je pense que le contact on l'aura de ce côté. Compliqué. Oh oui, là ça va avancer comme des tortues. Hein. L'éléman. Bon, envoyons le chimère. Histoire de nous scouter la zone. S'il n'y en a pas un seul tir d'artillerie, ça serait malheureux quand même. Les Hellhounds, on est obligé de revenir par là du coup. Pareil, ils peuvent pas passer par là. Ok, l'infanterie, elle suit. Et elle suit. Ok, donc notre artillerie est un peu trop loin. On va la mettre en position cool sur les hauteurs. Je vais vérifier quand même, mais on peut peut-être tirer sur du décor. En espérant toucher quelque chose. Non, on est obligé de tirer dans une zone que l'on voit. Ou que.
quelqu'un voit dans notre petit groupe. Eh ben, ça sera tout. Bizarre qu'on n'ait pas vu un ennemi. Normalement, ils sont très nombreux sur la carte, hein. Ils ont 2 à 3 fois notre déploiement à nous, hein. Ils peuvent pas tout poser en un coup, donc ça revient sur des points de renfort, mais normalement, ils sont quand même déjà plus nombreux que nous, hein, largement. Ok, rien là. Ok, voilà les copains. Oh, on a un visuel direct très intéressant sur son artillerie. Alors je prends le risque de rester quand même à portée. Il a mis 130. Et on s'en débarrasse. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Par contre mon Valkyrie va être en danger. Hein. À bord on a 2 psykers et des épées de puissance. Alors évidemment on pourrait les débarquer. Mais c'est des coups à fondre, surtout avec les 2 Killakan et le Devdread. Par contre, est-ce qu'on peut faire un tir de canon Vanquisher, vu que ça a une portée quand même de dingo ce truc? Ah, il y a un héros là-bas. Raté. Raté. C'est bien dommage. Restons en couverture. Avancez là, il n'y a pas d'ennemis tuables par l'infanterie. Hein. On va les décaler. Il nous faut des orques. De l'infanterie orc toute simple. Par contre, on peut peut-être tuer le Nobs. On peut lui donner aussi une mauvaise cible avec la sentinelle s'il court dessus. 110%. Critique. Et on l'a tué. Ok, 80 XP chopé par Troubadour. Ça c'est cool. Et ça évitera des ralliements. Par contre, notre vaisseau... Enfin, notre Valkyrie, ouais, on va le mettre comme ça. Je sais pas s'il va pas manger. Alors attendez, on peut tirer. Hein. On a un super canon, hein. Anti-robot. Ouais, on two-shot dès qu'il a canne. Ah, on l'a raté quand même. Bon, on aura un Overwatch s'il s'approche trop près de l'aviation. Nos lasers, hop. Les 2 jambes bioniques. Alors les 2 bioniques pourraient venir donner un coup de main ici, hein. Mais face à des gros trucs comme ça, je suis pas sûr. Vaut mieux qu'ils se coûtent par ici. Ok, on a un point de victoire qui est pas loin. Ok. Et on suit. L'artillerie pourrait aider. On aurait un kill faisable là-bas. Ouais, on aurait un kill faisable probablement. Si on pouvait s'approcher un peu plus. Ouais, parce qu'on n'a pas de tir. Hein. Sur quoi on pourrait tirer? On est d'accord que. Moi ouais, je peux faire un petit mouvement, mais oui. Ok. Ouais, le placement est pas génial. On peut tirer là-dedans. Pour enlever du couvert. Par contre, on pourra pas avancer plus loin nos artilleries. Hein. Ok. Faudra peut-être faire tout le tour avec l'artillerie. Ici, le Hellhound. Bon, vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'ennemis. Non, ça c'est le Chimère. Ouais, bougeons un Hellhound d'abord. Ok. Ok, l'Eleman tout droit. Bon, l'Eleman, ouais, enfin, ça va mettre du temps. Arriver à une zone utile. Je vais quand même rester sur la droite, je pense, avec le Chimère. Hop, on a quoi à bord? Alors, on a 3 fusils Melta et un Préfectus. Donc, en gros, si on tombe sur de l'infanterie, on envoie le Préfectus. Si on tombe sur un truc lourd, les 3 Melta devraient le tuer. Même s'ils n'ont qu'une action en sortant, ça fera 3 actions de Melta quand même. Ce qui devrait être un carnage. Enfin, ça dépend de la taille du bordel. Il peut y avoir plein d'ennemis ici. Hein. Mais s'ils nous donnent les 2 points là, gratuitement, ça sera très fort. Hein.
Est-ce qu'il nous reste des gens? Ok, ça a l'air d'être là. Ah, il a une deuxième artillerie. Sur l'aviation, ça fera pas grand chose. Pareil pour les Grotzuka. Ça vaut mieux pas les prendre. Parfait. Oh, le tir de canon anti-aérien. C'est le mal. Polter lourd, pareil. Bon, le plus gros est passé. Il reste de raid, mais au lance-flamme, il nous fera rien. Et il a même pas bougé. Ok. Bah on y va. Hein. Il faut qu'on s'occupe du dread. Ouais. Eh ben... 100 de perforation, 120 de puissance, 100 de dégâts. Hein, je les vois pas. Hein. Il faut crit, j'ai l'impression. Voilà, joli crit. 213 sur le deuxième taquet. On n'a pas de morale à remonter. Le lance-flamme, bah non, on n'a pas. On a un stubber lourd par contre, qu'on peut utiliser sur l'infanterie. Piu piu. Ah oui, celui c'est le double. 62 de dégâts, bah c'est pas honteux. Par contre, on a notre vaisseau qui est défoncé. Vanquisher. Alors, on a le bolter lourd x2 ou alors le canon Vanquisher. Mais dans tous les cas, on a les munitions frag. Donc ça fait super mal à l'infanterie. Hein. Si ça touche. Regardez les nobs là, comme ils ont éclaté. On va quand même essayer de tuer celui là-bas. Bah non, on n'a pas la portée. Bon bah, on tente. Ça fait quand même sacrément mal parce que le canon est de base anti-véhiculaire, bien sûr. Et on va essayer de finir ce nobs. Au calme. Bim. 240 XP pour notre troubadour. Et on va faire un tir sur celui du fond là-bas, si on peut. Ça pourrait l'avoir. 33 points de vie. Ah, on lui a mis 10. Ok. Restons à couvert. Hop. Ok. Plus rien de ce côté. On a lance-grenade et lance-flamme. Pour le moment, c'est pas trop utile. Hormis pour faire diversion, mais c'est surtout, ça va se prendre de l'artillerie, donc on va pas les avancer. Ok. Notre artillerie ne peut pas tirer là-bas, ce qui est bien dommage. Mais on va en avoir besoin là-bas. Il faut qu'on revienne en position. Ok, on nettoie. Bon, ça va être pareil, on va reculer. Ok, on casse les décors. Alors c'est parti pour les Lehman. On avance, on essaye de les recentrer aussi, hein, parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin de ce côté-là. Voilà, faut qu'on avance vers le camp, alors c'est parti. Personne. Ok, eh ben c'est pas rassurant du tout. Ok. Là on peut prendre le point avec nos bioniques. C'est plutôt pas mal, on va rester planqué là-dedans. Et derrière. Ok, alors là on a le côté tricky. 1, on peut réparer notre bécane, oui. Comme ça on perd un tir. Et on va essayer d'achever celui-là. Ce qui nous fait un kill. Mais il faut qu'on évacue évidemment le plus vite possible. Et je crois que je me suis pas assez évac. L'autre option c'était de foncer. Mais j'ai peur que ça mette à mal nos,
nos troupes embarquées. Normalement, là, ils ont de quoi débarquer, hein, donc ça devrait le faire. Ok, deux troupes d'assaut en moins. Désintégré, ok. Bon, ça c'est bien d'avoir tué les troupes d'assaut avant qu'ils nous balancent les Stika Bomba ou les cracks. Ouais, l'artillerie devrait pas être trop douloureuse sur les gros trucs. Bouclier à ion qui a tout absorbé. Attention, hein, ça peut faire mal aux chevaliers. Mais c'est à peu près le seul truc. Le corps à corps, évidemment. Ok. Oh bah c'est un tour faible pour les orques. On va en profiter. Envoyons. Hop, le Hellhound. Par là. Alors je crois qu'on n'a pas besoin d'envoyer le chimère, mais il faut quand même qu'on sache. Ouais, c'est bien protégé. Ok, Sneaky Geats qui nous mettent combien là? 18. Bon ça va, on a de la chance hein. Ok, on voit ce qu'il y a, on se replie. On peut pas lancer l'assaut en solo. On va rester là, caché derrière. Notre artillerie bah, est obligée de faire le tour maintenant, c'est un peu problématique. Ouais, je pensais pas. Ouais, on savait que la carte était grande, mais voilà. Je la pensais un peu moins grande finalement. Alors, le chevalier, il faut qu'on détruise le machin, mais bon, de face, on n'arrivera pas à l'avoir facilement. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être aller piétiner ça et commencer à faire un mouvement latéral pour que lui puisse tirer de flanc, ou le chevalier, bien sûr. Ok, il y a du monde. Est-ce qu'on avance plus? On peut tuer les deux hélicos. Joli coup. Et de deux. Ok, ça c'est plutôt propre. On va juste y aller au stubber sur eux alors. On a un double stubber, tout va bien. On reste orienté comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à bord? Des sions, épées de puissance. Si je les débarque à côté, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on débarque? En prime, ça va être un Psyker. On va le poser là. En 2, ça va être un Psyker qu'on va poser là. En 3, ça va être une épaission. Déploiement impossible. Hop. Et une autre épaission. Déploiement impossible. Alors. Ok, deux sions. Si on peut se détruire un véhicule, on s'en fiche de ce que ça nous coûte. Hein. Et on a eu en plus un autre. Bon, bah, il a fait son taf, le Valkyrie. Même si le Valkyrie explose maintenant, on est bon. On va se lancer notre protection sur les deux psychars. On peut lancer un Vortex par ici. Je sais pas s'il y a vraiment des ennemis, mais... Ça empêchera vraiment les renforts de sortir de là-dedans s'il y en a. Ou alors, j'en envoie un par là, mais on est un peu loin. Non, je pense que là... Ah, là, c'est faisable. Allez. C'est un peu violent de l'utiliser comme ça, mais c'est vraiment rentable. Alors, c'est parce qu'ils sortent d'un Valkyrie qu'on n'a pas beaucoup de mouvement. Là, je peux pas envoyer le Vortex. On va juste mettre la Protec. Et se décaler. Ok. Les options. Eh ben, on balance les charges explosives, hein, bien sûr. Bim, 300 de dégâts. Hop. On pourra les finir après. Charge explosive numéro 2. Déploiement. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant. Parce qu'il va y avoir du boulot. Alors, Psyker. Lance-flamme psychique. Enfin, c'est des éclairs plutôt. Hein, qui font le taf. Et là, je pense qu'on va casser le moral de eux. Une petite domination et on pourra rien faire d'autre. J'aurais pu faire un éclair qui aurait fait mal, mais il y avait plus de risques qu'autre chose. On va taper les troupes d'assaut. Ah, mais on a levé les.
Grenade frag ou optique améliorée? Précision augmentée sur des épées de puissance. Là, on va prendre la frag et on va l'utiliser direct sur le groupe qui est sorti du véhicule. Et au prochain tour, on en aura une autre. Allez, c'est parti. Attention, hein, c'est des corps à corps. Mais ça s'est bien passé. Ça, c'est des lance-flammes, mais ils vont pouvoir tirer au corps à corps. Hein. Ça, c'est le problème. On a les plasmas. On a aussi du soin possible, mais pour le moment, ça va. Allez. 229. On a fait de très bons dégâts. Hop. Le problème, c'est qu'on est au contact de ça, donc on peut pas vraiment faire un tir d'Overwatch. On a du corps à corps. L'empereur protège. Alors, je vais me tourner, du coup. Vu que le véhicule est pété. Ok, il nous faut des renforts et vite. On a des jambes bioniques ici. On va les envoyer. Hein. La garde, elle est là pour faire diversion. S'ils s'occupent de la garde, ils nous embêteront pas trop. Le lance-flamme, le lance-flamme. Et ben, je crois que c'est les deux qu'on essaye d'avoir. Oh là là. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir cassé ce couvert. Mais on a tué deux unités de lance-flamme qui rapportent. Pas d'XP vu qu'on est déjà full. Ok. C'est Griffin, donc c'est pas grave. Et ici, on est collé à notre allié, donc on pourra pas lui tirer dessus. Un de moins. Là par contre, non, je tire pas sur frère. Bon, même sur le psycheur, je m'inquiétais pas trop avec sa protection. Et là, on a... Ok, on se rapproche. Et là, on a déjà joué. Les man, hop. Je pense pas qu'on ait un tir d'eau en soi, non. Si, là-dessus. On ventile. Voilà, très bien, c'est propre. C'est clean, il nous faut des champs de tir agréables. L'artillerie, alors, on l'a déjà joué. Est-ce qu'on a du tir faisable sur ce qui est sorti du truc? Non. De toute façon, ça aurait été ric-rac la dispersion. Ok, on va protéger ça. Je crois qu'on peut en envoyer deux par là aussi. Ok. Bon. Sentinelle, alors qu'est-ce que tu peux faire toi? On peut essayer d'embêter le Death Dread depuis le dos. Et on va quand même surveiller qu'il n'y ait pas de contournement ici. Et si possible... Ouf, fâche. Il y a un Morcanote. Morcanote de côté ou de dos, il est vraiment fragile. Hein. Je pense pas qu'on l'ait bien là, mais on va tester. Oh, bouclier désactivé pendant un tour. Ok, on lui a pété ses boucliers, on lui a mis 77. Je pense que c'est le moment d'aller le cartonner. Je vais quand même me décaler aussi. Pour essayer de créer une tenaille un peu plus efficace. 45, c'est pas nul. Mais je pense qu'il faut viser autre chose. 18, ah, c'est pas mieux. Hein. De face, blindage de face. Ma sentinelle peut pas s'échapper par contre. Qu'est-ce qu'il me reste? Eh ben, fin de tour. Espérons que ça tienne. Les nobs qui encaissent les coups pour les autres. Et qui vont dans le vortex, très très bien. Vous avez bien raison. Ouais, alors le canon anti-tank contre de l'infanterie, c'est moyen. Joli l'Overwatch. Buggy, oh là là. Ça va. Alors, l'ordi les joue assez mal les buggy, mais les buggy ça peut tellement être une arme de harcèlement ultime. Il les utilise souvent pour prendre les taquets à la place de l'infanterie, alors que l'infanterie encaisse bien mieux, hein, genre les nobs. Ah, évidemment, à choisir entre une unité d'infanterie fragile et un buggy, bah vous balancez le buggy en général, mais voilà. Disons que c'est quand même un bolter lourd équipé, hein, le buggy. Ah, l'artillerie par contre va commencer à faire mal. Voilà, là, il tire dans notre infanterie, c'est l'horreur. Et on a perdu le Valkyrie. Ah, il a fait ce qu'il a pu, le Valkyrie. Il a quand même kill, deux kills à canne. Il a débarqué les troupes où il fallait. On aurait pu le garder plus longtemps en faisant plus du harcèlement plutôt que de l'assaut, mais bon, on est en mission d'assaut, hein, donc voilà,
il y a aussi ça. Il n'y a plus d'infanterie orque là, hein. Je vois plus de points rouges. Donc tout est mort. Lui, il s'est enfui et il va prendre. Bah, il a sûrement pris la stase. Ok, notre psyker là, il faut l'avancer de ce côté et commencer à mettre un truc là-bas. Sa protection est suffisante pour quelques tours, hein, pour que faire des trucs horribles. On va envoyer le vortex ici. C'est 40 par unité, donc quel que soit le type d'unité, et chaque tour. Hein. Boum 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 boum. Pourquoi le mettre là? Bah, ça évite qu'il se cache derrière les couverts, donc ça c'est vachement cool. Le psyker, par contre, on peut faire l'éclair. Alors ça marche bien sur les véhicules, mais ils sont trop loin, j'ai l'impression. Ah, sur le buggy, tiens. 135, c'est pas mal. C'est pas mal. On a aussi l'attaque au corps à corps. Hop, allons. Envoyons les psykers tanker. C'est horrible parce que je suis en train de sacrifier mes psykers, mais on peut faire une domination sur les tireurs. Parce que c'est chiant, comme ça on les brise direct. S'il a un héros, ça le passera. C'est une attaque qui attaque qu'une seule cible. Le machin là, donc j'aurais mieux fait de le faire sur un véhicule. Là, putain, on est défoncé, on va se soigner. On va se soigner et je dirais bien on remonte à bord du véhicule, mais ça va pas être possible. Donc on va juste poursuivre lui et les harceler au plasma. Là, on peut pas se soigner, mais on peut rester près du médic. L'avantage, c'est de mettre derrière cette butte. Je pense que ça va nous mettre à couvert. Hein. Là, c'est pour maintenir le moral très bas. Et éventuellement, voilà, ils sont brisés. Et récupérer le point, évidemment, avec notre troupe d'assaut. Hein, vu que le Valkyrie est mort. Les deux Psykers vont faire diversion le temps qu'il faut avant de disparaître dans le warp. Et on va leur rejoindre quelques gardes impériaux. Pour mourir pour la cause. Là, on a un foutu Burna Boys. S'il avance, il va nous canarder. Allez. On a combien de tirs? On a 3 tirs. Hein. J'ai oublié un tir tout à l'heure, je crois. Pas mal. On aura un Overwatch. Et l'autre. Ouais, c'est les deux qui ont les jambes bioniques. Hein. C'est pour ça qu'ils tracent comme des fous. Lui il a une charge, et il a une charge, il a double jambe bionique. Alors double jambe bionique, on voit bien que ça ne sert pas plus. Hein. Ça on aurait dû s'en douter que mettre des doublons des compétences, ça marchait pas. Mais bon, c'était ça ou probablement une augmentation de morale. Alors, le Hellhound là-bas, il nous faut un Hellhound en face. On est obligé d'attendre ici, hein, parce qu'ils vont probablement pas sortir. Mais on va les déloger au lance-flammes. Limite, le deuxième Hellhound, on aurait pu l'envoyer là aussi. Hein. Le camp, il a l'air d'être composé d'infanterie. Les chars de bataille, j'ai pas envie de les envoyer là-bas. Par contre, le Punisher, je vais l'envoyer. Ce qui fera un très beau boulot, je pense, sur cette base-là. Voilà, et les deux, on va les envoyer en diagonale systématiquement pour rejoindre. Alors, fusil plasma, fusil laser, on les laisse vers le centre. Par contre, lance-grenade pourrait se cacher derrière les buttes et tirer dans la ville. Donc, lance-grenade et lance-flamme, évidemment. Aller là-bas. Ok, je crois que ce détachement suffira, ce petit groupe, avec peut-être ce Hellhound que je vais renvoyer là-bas. Ici, on envoie au centre du support. Alors là, faut canarder. Hein. On a ça, on a le buggy qu'il faut terminer, mais il y a un couvert. Eux, ça pourrait être pas mal. On a quoi? On a visé et on a excellent tireur. Et on a tireur d'élite sur l'Overwatch. Ok, commençons par ça. Ça pourrait nous tuer en vrai. Mais avec l'Overwatch, on tuera le buggy quand il sortira du couvert, je pense. Avec un peu de bol. Alors là, on a un joli plasma, mais il faudrait se couvrir à la grenade derrière. On a tué les deux. Joli. Parce que lui, il protégeait lui, mais du coup, Sir Darkin a fait un carton. Et on n'a plus de cible du coup. Un tout petit peu irritant, on va juste casser le décor un petit peu et on va se lancer une petite fumigène ici pour cacher notre position. J'espère juste que ça va pas gêner le tir là. Mais ah, mais c'est un lance-grenade où il n'y avait pas de tir donc tout va bien. J'aurais dû même le décaler un peu. Et là, on a le lance-flamme. Ok, il va être caché aussi, pas de souci. Comme ça, le canon.
Ben, le Morcanaut s'est pas tourné exactement comme je l'espérais. Du coup, je fais quoi? J'ai un lance-flamme avec notre ami là? Non, c'est le seul qui a pas un lance-flamme. Il est fait pour se battre à longue distance. On a quand même un Reaper Gun. Bon, le Stubber qui va faire piou-piou. Ah, il en a tué un, dis donc. Ouais, on va quand même monter un tout petit peu et essayer de tirer dans le dos du Morcanaut. Attention, on a ça qu'il faut abattre, hein, le soupe à canon. Mais il a plus de bouclier, alors on essaye d'en profiter un peu. Bouclier désactivé un tour. Ok, il a pris tarif. On va, même si cette face. Oh, quoique, attendez. On aurait pas un tir savant là, en faisant le tour. Attention de ne pas se faire choper, hein. Si j'avance, c'est malsain, mais je crois que j'ai pas le choix pour avoir un beau tir. 100% de dos. Bim. Ok, rien que pour faire les 132 dégâts là, je suis prêt à perdre ma sentinelle. Bon, je préférerais ne pas la perdre. Un moyen de ne pas la perdre, ça serait de la couvrir. Avec un bon tir de Vanquisher. 80%. Ok, c'est propre. Et je vais quand même tirer au bolter ici. Alors le petit, hein, le petit, je me garde un tir. Mais vous voyez, le petit, il fait des dégâts cataclysmiques. Non, je crois qu'il faut quand même tirer sur. Hein. Même s'il est de face, il encaisse mieux. Alors attention qu'il nous attrape pas au contact, hein, parce qu'il nous ouvre, il nous éventre, hein, si jamais il nous chope. L'artillerie, allez, c'est parti. C'est évidemment ce qu'on aurait pu tirer en premier, mais on n'a toujours pas la distance. Est-ce que j'ai mon overdrive? Non, toujours pas. Eh ben, on court et on peut rien y faire. Il nous reste le chimère. Essayer de se trouver un petit coin, mais sans prendre l'overwatch cette fois. Ah là là, j'aimerais bien me décaler. On va se décaler. En gros, je vais être caché, pouvoir tirer dessus. Mais que pas tout le monde dans la place nous tire dessus, quoi, en gros. De face, ça devrait tenir. Alors, on a quoi? On a des Sion Melta et un Préfectus. Ça sert à rien de les sortir. À la limite, même s'ils me détruisent et que mes gars sortent de force, c'est pas trop grave. Et on a personne d'autre. Ok. Ça va être chaud. Ok, les dégâts qui sont cool. Ouais, on en a laissé deux en vie. J'espère qu'ils vont pas trop nous faire mal, ça va. L'infanterie qui couvre, double Overwatch. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'en garde pas un en réserve, elle balance les deux directs. Hein. Ce qui est un petit peu la violence. Mission, il dérouille. Aïe aïe aïe. Ça tient. Encore de l'infanterie, ah oh, mais tu abuses. Ouais, alors contre un chevalier, c'est pas inenvisageable de tirer dessus, hein. Loin de là. Mais voilà, c'est pas comme quand tu tires sur un titan avec de l'infanterie, ce qui est totalement useless. Ah merde, par contre, ouais, ça a tué deux. Ah, les psycheurs ont rien pris. Aïe, désactiver nos boucliers. Ça va augmenter les dégâts qu'on prend, c'est sûr. Là, on est ultra à couvert. S'il reste en position, on devrait tenir. Hein. Un point de dégâts avec des sneaky gits. Alors que nous, on lui tire au laser et on lui fait trois fois plus. On va gagner ce duel. Voilà, c'est là où il aurait fallu l'artillerie. Il joue le grind. Attention, on est. On a 10 tours, non, on est large, on est large. Donc, le lance-flamme. Alors, avant de faire ça, on va cartonner. Ok. Hop. Ah, faut que j'avance le plus. Allez, on va l'encaisser ce tir.
C'est tir. Non, il a pas tiré devant. Ok, lance-flamme, il peut atteindre. Ah, il peut pas atteindre. Dégoûté. On peut quand même tuer lui. Je crois pas qu'on atteint devant. Mais au prochain tour, on sera bien. On mourra pas en un tour. Je pense pas. 62 de dégâts, c'est rigolo. Punisher. On se rapproche. Bon, on est loin du compte pour le moment. Donc ce Hellhound là, est-ce qu'on en aurait besoin de ce côté? Bah un peu, mais franchement avec les gros trucs qu'il y a, je pense qu'on sera plus rigolo là-bas. Ouais, on sera plus efficace par là. Bon, pas de tir de Bolter. Alors, mission. C'est bon, ils sont morts. Il est mort dans le truc. Là, on va foncer vers le point. Du coup, eux peuvent continuer la baston par là. Pas trop que ce soit fantastique. On va se mettre par là. On va essayer de protéger le point du mieux qu'on peut. On va se planquer en diagonale parce que c'est mieux. Voilà. Ok, les psycheurs. Bon, les psycheurs, faut qu'ils remettent leur protection. Et si je continue à avancer, on va les perdre à coup sûr. Hein. Je pense que j'ai un bon éclair ici. Si j'avais l'éclair disponible, évidemment. Ok. C'est lui qui a l'éclair disponible, mais lui il va passer dans des Overwatch. Là, on a le Morcanote. On va monter. Il nous a désactivé, mais c'était déjà le cas. Voilà. Je veux tirer dans le dos de ce truc. Bah non, on peut pas. Bah, je suis très déçu. Parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais bon, on n'a pas la portée sur l'autre. Ok, restons là. Attention, hein, nos points de vie sont bas. Mais on peut avancer notre psychère maintenant. Et voir un petit peu. Bim, un de moins. Ok. Bon, ici c'est la violence. Le flanc droit. Bah on a réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire isoler le point, le protéger. S'il m'envoie de l'infanterie de corps à corps, on devrait pouvoir s'en sortir. Et ici, on a isolé lui, hein, et on peut envoyer ce qu'on veut ici. Idéalement, l'artillerie, mais l'artillerie, je pense qu'au centre, on va en avoir nettement plus besoin qu'ailleurs. On va regarder ce qu'on peut allumer d'ailleurs avec l'artillerie. Bah, pas grand-chose, parce que la portée, elle est bizarrement très faible. Qu'est-ce qu'il a notre canon Earthshaker là? Pourquoi il tire pas plus loin que ça? Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a même pas. Ça tire à combien de cases ce truc? 16 cases. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, je devrais pouvoir tirer là au moins, non? Ça paraît. Ouais, ric-rac, on dirait. Et l'autre peut-être? Ah, on peut tirer là. Ah, on peut déjà tirer là, ok. Donc là, je vais utiliser un des deux tirs. Juste pour mettre un coup d'accélérateur. Voilà, et comme ça, on pourrait peut-être tirer au milieu, là-bas. Ok. Ouais, 45. Il y a une artillerie là-dedans, hein. Qui nous embête. Bon, ce canon-là, peut-être qu'il va rejoindre en haut, en fait. Allez, pareil, on protège le point pour le moment. Fusil laser, allez. Petit plasma. Dracus. Il faut quand même aller protéger les copains. Hop. Quoi? Bah. Tu peux pas lancer ta grenade là? Tout à l'heure il voulait lancer une grenade et maintenant il veut plus. Ah non, c'était eux. C'était lui. On va la lancer là. Hop, comme ça, on est à couvert de tous les méchants. Fusil plasma, on va se mettre à couvert et tirer. Hop, on sort de la brume pour allumer. Le plasma, alors c'est pas fantastique hein, sur les Killacan, mais c'est pas trop gros les Killacan. On peut encore leur faire des dégâts. En fait, c'est fait pour les véhicules légers, pour les trucs gros et qui en cassent pas trop.
C'est très bien contre l'infanterie, mais les lasers marchent très bien contre l'infanterie. Si c'est vraiment de l'infanterie caca, il n'y a pas de souci. Là, on n'a pas de tir. Lance-grenade. Ah. Ouais, bon, allez, si on doit sacrifier un gars, on va te mettre toi. Dead Jazz. C'est dur à monter les grenadiers, hein, parce que ça meurt vite. Hop. Détruisons les éventuels couverts. Non, on va pas cramer notre crack, au cas où ils survivent, on sait jamais, hein. Et là, bah notre sentinelle, on peut pas la décaler. Parce qu'on a évidemment des méchants qui sont toujours en vie là-bas. On va utiliser le petit bolter. Je ne peux pas utiliser le petit bolter. Quel dommage. Utilisons le canon alors sur lui. Ouais, bon. Il nous fait perdre un peu de temps, hein. On a le petit bolter sur. C'est quoi, Morcanote? C'est quoi? Y a pas un truc derrière? Non. Bon bah les petits bolters. Zéro. Ouais, on a des munitions crack. Alors là, évidemment, je pourrais leur tirer dessus. 10% de chance de toucher. Ou alors. 10%. Ou alors. 80. Ok, dommage. On a un malus, on est chopé. Ils vont pas nous faire trop mal, mais on va se prendre du lance-flamme derrière, on va se prendre d'autres trucs. Ah, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Envoyons l'infanterie là-bas. Faut pas qu'on se fasse choper, hein. Faut qu'on la couvre. Limite, faudrait sortir les Meltas, mais les Meltas, ils serviront bien contre ça et ça. Mais faut pas qu'il y ait d'infanterie, sinon ils vont se faire massacrer. Ça va tenir. Attention, les dégâts vont être de plus en plus douloureux là-bas. Ah, une frag. Aïe. Ah, au pistolet, je m'inquiète pas trop. Ça reste des assauts, hein. Nous, on a du plasma, eux, ils ont des vieux bolters à la con. Enfin, des vieux trucs équivalents aux bolters. Au moins, elle aura occupé la zone, hein, la sentinelle. Alors, l'artillerie. Oh non, pas sur eux. Oh, ça va! Ah, Psyker, il aime pas lance-flamme. Joli tir. On l'a vu, le critique. Ils se mettent là. Alors, ça, faut pas le faire. M'envoyer des cadeaux comme ça, c'est très gentil de votre part, mais ça m'interrompt en plein milieu de la bataille. Du coup, désolé, hein, y a eu un truc. On m'a envoyé un cadeau sur Steam, donc du coup ça a passé sous Windows et voilà. Alors normalement c'est pas censé pouvoir m'interrompre, mais en envoyant des cadeaux si ça interrompt la game immédiatement. Hein. Bon, ça fait un jeu de plus pour la chaîne, merci à Bridolac. Je sais pas si tu vois cette vidéo, mais merci en tout cas. Alors. Ok, alors du coup je sais pas ce qui s'est passé, hein. J'ai pas vu le tour se faire. Mais on va dire que... Oh oui, ok, il est défoncé. On va se réparer un coup. Le moral. Aussi. Et on va quand même essayer de tuer le Gorgonaut. Non. On peut se mettre là. Ok, on l'a tué, ça a déployé des guides qu'il avait à bord. Bolter. Oh, il y a ça aussi qu'on aurait dû tuer depuis 1 heure. Il était un petit peu à couvert quand même. Hein. Ok, on reste comme ça. Oh, il va pas tenir. Hein. On a tué son Gorgonaut, mais lui va nous tuer le chevalier, je pense. Le sorcier, il a quoi? Il a rien de dispo, aucun de ses pouvoirs. Il a que le corps à corps. Et au corps à corps, bah au corps à corps, ça va, ils sont pas mauvais. Mais je pense qu'il vaut mieux quand même aller ailleurs.
Et celui-ci a pas le moral. Alors, il a pas le moral, il a pas de pouvoir, il a pas de pouvoir, et il a pas de pouvoir. Ok, on va le laisser recharger. On va aller courir dans le fumigène. Non. Qu'est-ce que tu fais? On va le remettre à couvert dans le fumigène. Parfait. Fusil laser. Ça va être compliqué. Alors, mes lance-grenades se sont pas fait tuer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a une jolie craque. On va s'avancer pour tirer là-bas. Ouais, ok. Et on balance la craque sur ça, bien sûr. Dommage. Bon, choper de l'artillerie au lance-grenade. C'est pas souvent qu'on le verra. Le lance-flamme. Bon, bah, le lance-flamme, il est complètement useless. Pour le moment. Mais on a peut-être une craque, une frag. Voilà, hop. Toujours bien de mettre 90. On a un lance-flamme. Ah, on a un lance déchets toxiques. Ouais. Ok. Et on carbonise. Ok, déchets toxiques, c'est rigolo. On fait ça. Plasma. Bon, on y va, hein. Ils ont plus l'Overwatch. On va essayer de les flinguer. On a une craque. Ah, la craque est trop courte. Ah, dommage. Je vais quand même la lancer sur les Geats. Si on peut en tuer un, c'est un tiers de moins à tuer derrière. Et joli, le plasma qui a nettoyé les Geats. C'est beau. C'était Dayak. Non, c'était Darkin. Ah, une chance sur deux. Dayakim, elle est là. Elle est dans le fumigène. Je sais pas si c'est pas dangereux de la sortir, mais bon, vu que tous les autres sont au contact là-bas, je pense pas que ça soit si dangereux. On va préparer un champ de tir par ici. Critique, visée, c'est pas mal. Le plasma pouvait atteindre? Non. Ben, chapitito. On a notre chevalier sur la route. Ouais, j'ai l'impression qu'il bloque le tir, mais en même temps, si on avait pu tirer, on l'aurait fait quand même. Hein. Ça peut être un couvert pour nos troupes. On va laisser l'Overwatch. Ici, ben, on va essayer de choper les nobs, mais les nobs au corps à corps, wow, ça va picoter. Hein. On va soigner eux, avec la petite équipe défoncée. On va y aller au plasma. On va pas y aller au plasma. Essayer de faire un trou là. Voilà. Et là, on va se prendre un tir de pistolet, mais c'est pas trop grave. On peut lancer une petite frag avant. Pas mal. Passons par là. Juste pour avoir le couvert. En fait, il n'y a pas de couvert vu qu'on est collé aussi. C'est pas fou. C'est pas fou, mais on n'est pas nul au corps à corps. On peut tenir notre terrain, je pense. Le lance-flamme. Allez, c'est parti. Un petit coup dans les Geats. Même si on touche que, c'est déjà bien. Ok, alors non, le chimère en dernier. D'abord le lance-flamme. Ah. Bah oui, mais on veut que ce soit lui qui tanque, hein. Il sert pas à grand chose hormis faire diversion, hein. Oh là là. Si j'avance de 1. Ça, tant que cette phase c'est ok. Je peux avancer là. Je pense que là on a un boulance flamme. Si j'avance de 1. Oh là là, on bouge complètement le passage. Rien que pour le moral, ça fait super mal. Mais ils sont beaucoup trop tanky, les machins, hein, sur quoi on tire là. Ouais, on peut pas leur faire assez de dégâts. Par contre, les Geats, faut les tuer. Et faut sortir les Meltas. Ouais, faut sortir absolument les Meltas.
Bon, un commissaire pour aller finir les guides, ça c'est indispensable. Par contre, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir maintenant? Je peux tirer sur les guides ou alors je peux engager un kill à canne au corps à corps avec, avec Urbain, avec Antoine. Bon, déjà, monter le moral des gens proches. Allez, corps à corps. On y va. Bim, on coupe. Power Sword, bon. Ce qui m'embête, c'est que j'ai des Meltas, donc je me dis que j'ai pas besoin trop d'y aller sur les gros. Hein. Mais on a de la frag. Je peux me décaler, allez. Oh là là, j'ai pas le Melta où je voudrais. Parce que je peux pas tirer. Il gêne. Je peux quand même faire un trou. Hop. Puis on peut déposer les copains. Non, je viens de bouffer l'endroit où je peux déposer mes copains. Ok. Allez, on trace. Petite frag au milieu. Et Melta dans sa gueule. 143, c'est pas mal. On va pas réussir à le tuer par contre. Allez, deuxième. Grenade frag. Et Melta. Ok, on l'a eu. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ait cassé le couvert par contre. Parce que casser le corps du bordel, ça pouvait nous couvrir. On va en profiter pour foncer avec lance-flamme et lance-grenade. Alors, le lance-grenade, je pense pas qu'il ait un tir d'où il est. L'empereur protège. Ok. Bon, la sauce fait bien, mais il y a beaucoup trop d'unités puissantes. Les unités là, c'est que des Meganobs armored. Hein. C'est n'importe quoi là-bas. Je sais même pas pourquoi on mène l'assaut comme ça, comme des fous, parce que ils vont se faire massacrer, hein, les gars. Alors, du coup, je vais envoyer de lui. Parce qu'il y a quand même du lourd. Je vais quand même continuer à aller par là avec l'assaut. Parce qu'il y a quand même du monde encore. Et je crois qu'il nous reste plus. Vu qu'il n'y a plus que le Marcanaut, faut tuer ça. Faut aussi aider notre sentinelle parce qu'elle peut continuer à faire du boulot. On va faire le petit bolter. Si ça ne nous bouffe pas une grosse action et on libère. Le canon là-bas qui one shot. Et il nous reste un autre qui est planqué. Et ben allons-y au petit canon là. Bim. Sur le lance-flamme, qu'aurait pu faire mal. Sentinelle, le moral est pas bon, donc on peut pas s'avancer vers l'ennemi. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de s'avancer, au contraire, on va se mettre à l'abri. On va essayer de prendre à revers ceux-là, là. Avec le malus, c'est moyen. Ouais. Attendons que le moral remonte pour des tirs plus précis. Là, on se planque derrière. Alors, avec la hauteur, j'ai le bolter. Pas vraiment. Mais on a Killakan, Devdred, Devdred. Hein. Mon dieu. Ah, mais il y a l'artillerie ennemie. Non, non, l'artillerie d'abord. On se débarrasse de l'artillerie, de l'infanterie et puis on fait un peu de dégâts. Voilà, très très bien. Lui est trop loin. Non, c'est bon. Ouais, sur des Devdred et des Killakan, l'artillerie, c'est pas ça. Hein. Ok. Allez. C'était plutôt pas mal ce tour. Si on tient ce tour sans trop avoir de pertes, normalement on devrait faire un carton. On faut s'attendre au renfort ennemi. Riposter les gars, riposter. Oh là là, ils se sont fait massacrer. Le couvert qui ne marche pas vu qu'ils sont collés. Hein. Mais notre plasma va les ouvrir. Tire dans le dos. Le Devdred qui a essayé de s'échapper, quelle erreur. Et le plasma dans le dos aussi. 12, le canon de face. 18. Waouh. En fait, c'est parce qu'ils ont perdu suffisamment de morale hein, qu'ils ont replié. Et le repli a été douloureux. Bon, il nous faut notre shield, s'il te plaît. On a tué le canon, hein. L'autre, c'est des mitrailleuses, donc ça va. Par contre, là, oh, il y a un chef là-dedans. Alors, est-ce qu'il va détruire notre L1? S'il le détruit pas, ça va être compliqué pour lui aussi, hein.
Notre préfectus nous protège. Les Overwatch au Melta peuvent tuer des gros. En fait, c'est bien que ce soit des Melta, mais... on n'a aucune zone de contrôle, hein. Il a tenu. Allez, riposte, riposte. Oh putain, il prend cher. Allez, le préfectus, là. Pourquoi t'as pas riposté? Ouais, bon, on a perdu un Hellhound. Mais je pense qu'on va peut-être réussir à s'en sortir. Hein. Allez, le Rosarius qui le maintient en vie. C'est la pire unité contre les préfectus. Hein, Aïe! Oh, les cons de lance-flammes qui font trop mal. Heureusement que c'est des Sions et qu'ils ont de l'armure, mais malgré tout, ça pique. Hein. Ouais, il nous en a tué un. Deux guides et un lance-flamme. Et je parle pas des Meganobs. Hein. Ok, un shield là-bas, c'est con. Oh là là, il nous échappe. Ah bah oui, maintenant c'est carnage, bien sûr. Ah, et il va nous coller l'autre. Alors, nos bombes ont pas pu être lancées. Gretchen. Ouais, Gretchen contre Chevalier. Bon, ça devrait aller. Bon, ben c'était pas cool. Mais franchement, je pense que ça aurait pu être pire. Je pense que ça aurait pu être bien pire. Là, on a les renforts qui arrivent. Hein. Donc on va pouvoir gérer quand même des trucs. Cette saleté, hein. On n'a pas un bel angle, hein, je suis d'accord, mais tout va bien. Le lance-flamme, alors on touche nos troupes. Alors on a eux qui sont bloqués ici, hein, de toute façon. Et là, c'est ma sentinelle qui n'a plus de troupes à bord, mais on a un moyen de le débloquer. Hop, c'est de le rembarquer. Se sortir de ce bousin. Sortez-nous de là! Ok, lance-grenade. On va rester planqué. Hein. Là, je sens que c'est le sapin là-bas. On a de la craque. Je voudrais la garder pour ça, mais je crois que ce serait une idiotie de pas tuer. Ah, il avait qu'un point de vie. J'aurais pu tirer avant, ouais. Le lance-flamme. Ah bah, on y va. On a quoi? On a de la craque. Sur le gros. Boum. Joli crit. On a de la frag pour tout ce beau monde. Et on a un beau petit tir de lance-flamme de chaque côté pour le moral. Ouais. Bon, ça serait de la vraie infanterie. Ça serait un peu plus efficace que... ce tir de merde. On a encore du tir de lance-flamme. Je vais tirer en diag sur les Geats. Joli, on l'a tué. Alors ça c'est quoi? C'est plein régime, c'est pour se barrer. Ah, c'est le Hellhound. Non, je vais augmenter les points de vie quand même. J'aime bien l'idée de tankouiller. Alors, je pense pas qu'on puisse le carbo. Si, si on était monté, mais... là, pour le coup... ouais, ça fera pas des masses. Eh ben, tant pis. Tant pis. Je pense quand même qu'on va gagner, mais c'est chaud, hein. Je peux mettre la carcasse du chevalier là-bas, ou alors je me replie avec le chevalier pour essayer de survivre. Ce qui peut arriver, vu qu'on a de quoi le réparer de temps en temps. On va faire ça.
Ok, on a eu le Death Drain, on va tirer sur le gros truc. Voilà, avec le shield, c'est mort, hein. On va allumer les Gretchino Stubber. Ouais, même eux, on n'arrive pas à les tuer avec cette arme de merde. Bon, c'est normal, hein, le Stubber. C'est les vieilles mitrailleuses, hein, c'est typiquement l'armement contemporain. Alors, on va garder le soigneur. Même s'il est tout seul, il peut soigner des groupes entiers. Par contre, lui peut tuer au corps à corps. Des nobs, oui. Même pas peur au corps à corps. Attention, ça riposte quand même, mais... Joli, le kill. Ok, par contre, si on sort... Si on sort, ils vont nous canarder, les Shoota Boys. Mais on pourrait leur tirer dessus. Un peu, ouais, ça a picoté, mais ça va. Je peux pas m'avancer parce que le moral est cataclysmique. On va se mettre le plus loin possible par rapport au couvert. Couvert, on va dire que c'est bon. Et lui, on va pouvoir l'envoyer au cac. Eh ben non, on peut pas l'envoyer au cac et on peut même pas s'approcher à portée de. Attendez, faut que je le sélectionne. Ouais, mais même là. Si, je peux aller là-bas. On s'éloigne pas. Enfin, on s'éloigne. Enfin non, on reste à même distance, mais du coup on peut leur tirer dessus vu qu'ils sont pas derrière le couvert. Ouais, ce qui reste vraiment nul, on va devoir envoyer le psycheur. Merde, le psycheur n'a pas de pouvoir. Si, peut-être l'éclair. Oui, il a l'éclair. Ok. Bon, on les sauve in extremis. Et on va mettre un vortex là-bas pour pas qu'ils avancent trop facilement sur nous. Ah, ils vont arriver, mais... On remet la protection du psy. Et on les attend. Ok, donc ça c'était Frère Tech, hein, qui tient le haut. En bas, notre seeker, bah, il est toujours là. On remet la protec. Déclencher l'overwatch de Gretchen. Bonne vieille téléporte. On n'a pas le critique. On a la domination. Je pense qu'il faut dominer le psycheur. Je sais pas où il est. On a un pain boy, sinon on a un soigneur et on a un psycheur. Non, on va essayer de dominer le psycheur. Ok, il est brisé. Ça va aider. Comme ça, il va pas nous faire des trucs bizarres. Et là, bah faut y aller, hein. On a quoi? On a un plasma, Darkin. C'est le bordel, hein, si je m'avance là-dedans. On a un lance-grenade qui est très bien où il est pour canarder. Bien que si je m'avance d'un dans de l'acide qu'on vient de poser. Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu? Ok, sortons de l'acide. Je crois que ça réduit l'armure ou la défense. Le lance-flamme, allez, on prend le point. On va prendre cher, mais. Ça passe. Oh, et du coup, on avance. Et on va tenter le lance-flamme ici. Sur les nobs. 100 points de dégâts, ok. Et de ce côté, on aurait le psycheur et le pain boy. Allez, on répartit le bonheur. Ouais, ça casse le moral. Par contre, je pense qu'il va pas survivre ce lance-flamme. J'ai dit ça au tour précédent. Hein. Ils sont toujours là, donc on sait jamais. Le plasma, bah, on peut pas atteindre notre cible. On peut rien atteindre parce que je l'ai trop planqué, c'est ça? Carrément, je l'ai caché derrière le rocher. Ce que je peux faire, c'est détruire ça, par contre. 250, 240. Ah. Ok, restons là. Sentinelle. Putain, le moral est pas remonté. On va quand même contourner au maximum ce truc. Et on va regarder combien nous met... Oh, on a 30% de chance de toucher à cause du shield. Ah, on y va quand même, mais voilà, une chance sur 3, 2 fois raté. On va pas s'amuser à tirer dans le shield. On va juste se protéger pour le moment. Petit bolter. J'aurais pu tuer le gros, hein, mais ils sont défoncés. Là, on le voit pas. Waouh. Tirons dans le tas, même s'il y a dispersion, ça peut toucher un truc sympa. Ouais, ça disperse de fou, hein. Ok, artillerie,
On va de côté maintenant. Et on balance au milieu. C'est pas foufou. Mais l'artillerie, comme on dit, c'est gratuit. Bon, trois boss, hein. Weird Boy, Pain Boy et le Run Terder, hein, qui a pondu les conneries. Et on n'en tue aucun là. Il faudrait qu'on en bute un. Gretchen en moins. Oh là là, on n'a pas de tir. Je sais pas ce qu'il nous fait ce shield, mais il nous empêche de vraiment ventiler. Il nous reste une action pourtant, hein. Ouais. Tant pis, restons là en Overwatch. Les fusils laser, bah on va aller à l'intérieur. Je crois qu'on va se lancer dans la mêlée. On a quoi? On a une grenade crack qu'on pourrait lancer sur un héros. Si elle touche, c'est un kill, hein. Le Pain Boy pour pas qu'il soigne. Ou sinon, j'essaye de tuer la Kill Akan malgré les chances très très minces de... Ah, on a 80 de toucher, mais dégâts très bas. Ça se tente, hein, il est bien endommagé. Ah, allez, encore une fois. Ah, et on le rate de rien du tout. De 20 points de vie, genre. Ok, c'est dommage. On aura l'Overwatch. On aura les Overwatch. Ok, on est à portée de canon. Ou de laser. Ce qui est large. On a un deuxième tir de laser, mais on n'a pas de cible. Ça ira, tant pis. Et... Ah mais le gros... Ah non, fusil laser Dracus, ok. Eh ben, on vient là en backup. On peut tirer sur personne, mais c'est pas grave. On a un Overwatch double. S'ils avancent, ça va être l'horreur. Ok. Allez, faut que ça tienne, là. On perd pas toute notre infanterie bêtement, il se soigne. Et lui, il vient dans la bordée d'Overwatch. Oh l'erreur. Tué. Oh le lance-flamme là-bas. Putain, je pensais que c'était des nobs, mais c'est des nobs avec Scorcha. Enfin, combi Scorcha. Ok, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu les orcs, mais là je pense qu'on va prendre le dessus. Espérons qu'ils nous pètent pas un Hellhound, j'aimerais bien un petit coup de lance-flamme sur... sur les lance-flammes ennemis, justement. Beaucoup mieux le tir, mais ça a pas suffi. Ouf, ça va, tout seul il fait beaucoup moins mal. Ah, 5 de dégâts, ouais, ça c'est un canon de bataille, hein. C'est pas le même que le Vanquisher. Putain, il nous a fait mal le dernier coup. Ah, et là ça va piquer. Ça tient! Il a tenu. Ah, il va se faire avoir au Volteur, mais au moins il a tenu le corps à corps. Et encore au Volteur, ça va, hein. Lance-flamme, ça devrait tenir. Hein. Lance-flamme, ça devrait pas faire grand chose. Mais il doit pas nous rester grand chose non plus. Hein. Le 1 point de dégâts qui tue, ça aurait été moche. Alors ça, c'est une bonne arme de corps à corps. Le problème, c'est contre l'infanterie, bah, ça en tue qu'un à la fois. Oh, c'est con de Gitz. Oh, il y a du crit là. 35. Ça tient. Ah oui, on lui a augmenté les points de vie max en levelant. Ce qui explique pourquoi il est peut-être là encore. Aïe. Oh, ça aurait pu être pire, il aurait pu prendre le laser de derrière. Par contre, s'il avait avancé d'une case de plus, il y avait le double Overwatch. Ce qui est un tout petit peu dommage. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'on l'a gagné. Il suffit juste de prendre les points maintenant tranquillement. Notre sentinelle, on va chasser les blessés. Hein. Ok. Alors, on a la coque renforcée, on a un revêtement de relique. On va prendre une précision améliorée.
Et puis on va rester là, ok. On va tenter de tirer là-dedans. Ouais, bah oui. 180. 90. Le bolter qui va bien. Le bébé bolter qui s'est fait complètement disperser par le shield. L'artillerie. Bah commençons par ça, ouais. On l'a repris. Hop. Ok. On fait la même. Il y a de l'infanterie là, donc j'ai confiance sur le côté droit. Le côté gauche, c'est plutôt chaud parce qu'il nous a carbonisé nos troupes. Ah, les plasmas sont pas morts. Les plasmas sont pas morts. On va les mettre par là. Le shield va être chiant encore une fois. Et très bien ce shield, hein. Franchement, d'un point de vue... mitigation de dégâts, c'est l'enfer, hein. Alors, on prend le point. Non, il m'a massacré. Ouais, bah maintenant, évidemment, il nous a défoncé. Le canon, le canon. On a les réparations qui sont revenues. Hop, on répare. On remet le moral et on va juste faire un tir random. Et on l'a pas eu, mais c'était pas nul. Psyker. On peut lancer du vortex là-dedans. Du blast sur un de ces trucs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La protec est bonne, on a plus l'éclair, on a plus le domination. Bah, on a nos pouvoirs qui sont down pour un moment, donc je pense qu'on peut se replier. Ils ont fait du beau boulot, les psycheurs, quand même, pour une fois. Hop, on va les laisser en défense de ce point. L'assaut. Bah, pour le moment, il va rester là. Et là, on veut soigner les copains là-haut. Hop. Et on va rester près du psycheur. Ça, on a un médic là. On peut pas avancer par là. Alors. Ok, ici. Alors, comment on va se débrouiller? On va commencer par les lance-flammes, je pense, qui sont pris au contact. Parce que ça les gêne pas tellement. On peut les réparer. Ah ouais, c'est moche. Commençons par ça. Je crois que c'est deux tirs comme ça et puis on n'en parle plus de notre machine. Ouais. Canon d'assaut. On monte. C'est compliqué avec les défenses, hein. Ils sont dans un bunker, les bordels. Par contre, ça pourrait pas être trop dangereux là. Attention, ils vont nous choper, hein, derrière. Ouais, ils vont nous choper, hein. Parce que là, ils vont tuer lui et après, ils vont venir sur nous, hein. Alors, Multimelta ou Canon Gatling Punisher? Bah, je dirais que le Multimelta a peut-être autant de chance de tuer. Voilà, un tir raté, par contre, aurait fondu notre coque. Là, on va changer de côté. Meurs! Ok, là, il y a eu du crit. Ok, tu as de la craque? Non, du lance-flamme, ça marchera pas là. On va aller à bord. Voilà, pour l'empereur. Et on allume ce truc. Bah non, c'est un lance-grenade. On va faire le tour. On va faire le tour, on va se cacher par là surtout. Essayer de lui tirer dessus ou de tirer dans le tas. Tu parles. Ouais, si quelqu'un s'approche par là, on pourra faire des trucs. Ok, donc on l'a raté quand même là. Hein. Il va nous ouvrir, mais au moins on a nos gars à l'abri dedans. On peut rien sortir vu qu'on a rentré des troupes. Alors qu'on aurait pu sortir une troupe hein, sinon. Fusil plasma, Dayakim.
C'est pas bien, hein. Ce shield avec tout ce pâté au centre là, il nous met dans un jus pas possible. Hein. On a les lasers. Ouais, on rentre dans le shield. On y croit. Et on allume le héros ennemi. Boum. Et ce truc. Pas mal. Et on a un double Overwatch s'ils embêtent, mais on va envoyer le plasma. Ok, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire, mais admettons. Un de moins. Ok, et ceux là-bas. Du coup, on les a pas gérés, mais c'est pas grave. Ok, tank. Canon d'assaut. Oh, il y a un laser au fond. Ok. On a un mort quand même. On sera pas venu pour rien, mais on n'a pas fini. Ils peuvent Overwatch avec les combis Bolter. Et ensuite, ils nous cartonnent au lance-flammes. C'est des salauds quand même. Oh, joli! L'infanterie qui a détruit le. Ouais, lui on l'a perdu, mais on pouvait plus le dégager. Hein. Il y avait 3 unités autour de lui. Il a pris cher. Trop lent pour nous rejoindre, c'est pas mal. Il suffit qu'on mette un peu de champ entre nous et il nous aura jamais les deux. Faut juste qu'on s'écarte. Avant de se faire attraper, bien sûr. Ouais, là par exemple, il nous a chopé. Hein. Et la perceuse, ça picote. Par contre, ça c'est un Melta. Ouais, mais on pourra. Ah là là. C'est horrible parce qu'on pourra pas lui tirer dessus à... en étant pris au contact. Si je détruis le psycheur, ça va faire une AOE dans le tas là, non? Il continue à prendre sans arrêt 20-20. Ouais, mais bon, ça tank. Ok, ça a picoté. Fini, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'ennemis ici. Il n'y a plus de points rouges en tout cas. Allez. Non, on va pas dans le vortex, s'il te plaît. Et faut aller capturer ce point. Il n'y a plus rien ici. Les ennemis ils peuvent apparaître où? Nos points de victoire, il n'y en a pas ailleurs, hein, donc on graisse sur les points de victoire où on est. Faut aller resécuriser derrière au cas où. Et je crois qu'on va rester ici. Hop, et on protège. Alors, ici, comment ça s'est passé? Là, on a Melta. Mais le problème, 35%. C'est suffisant. Ok, on reste planqué. Là, on a un lance-flamme. Il y va. Il y a une petite frag à lancer là. Ah, je peux pas la lancer là-bas. Et le lance-flamme. Enfin, elle touchera personne. Mais les grenades, oui. Les grenades. Même si c'est basé sur la dispersion, c'est quand même pas mal. Ici on attend, on attend. Là, le psycheur. Hop. On y retourne. On va voir si ça s'approche. Ah, il y en a qui approchent. Un point de dégâts. On les panique. Comme ça, ils restent à côté du vortex. Ça devrait être good. Ils vont mourir au prochain coup, au prochain tic. Hein. Ok, on protège bien là en haut. Tout va bien. Ici. Bah ici, on va tuer. Hein. On va quand même faire attention, mais. Ça encaisse cette saleté.
Ok, et là, deux tirs de multi. Ah. 85%, 75%. Ouais. Ah, pas fou, hein. De toute façon, au canon d'assaut, on n'aurait pas fait beaucoup plus. C'est vraiment trop tanky. C'est vraiment beaucoup trop tanky. Alors là, on monte, et là. Petit trou, petit trou, petit trou. Hop, par ici. Psyker, défense. On va vers le point là-bas. On va essayer de lui amener d'autres renforts. Au cas où ils essayent de reprendre ça. L'artillerie, bah justement. Faudrait remonter. On a des trucs à flinguer. La sentinelle. On poursuit les fuyards s'il y en a. Non, ça a l'air bon, hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Allons au sud. On va faire une ligne franche entre les deux et on mettra l'artillerie ici. Et je crois que c'est good. Des renforts. Je sais pas où. Renforts au sud. Ouais. On commence à connaître. Par contre, c'est pas cool de se prendre du Melta dans le dos de notre artillerie, il faut qu'on fonce avec. Hein. Plus de cibles pour le grenadier. Il nous atteint pas, ok. Parce que là, il passera pas le tour, par contre, pas deux fois. Fuis, pauvre fou. Bon, notre bolter va quand même pouvoir faire du dégât, je pense, sur l'hélico. Mais on va faire full mouvement par là quand même. Ça va, ils tankent, hein. Ils ont des châssis de chimère. Hein. Là, je vais même pas bouger parce que j'ai envie d'avoir le bolter qui va bien. Enfin, ça fait pas des masses de dégâts, mais. Ok, allez, on y va. On aura probablement pas de tir. Si, du laser en plus. Pioum. Pioum. Canon d'assaut ou laser? En fait, je dirais laser. 120%, ouais. Ok, il a des renforts, mais je pense qu'ils arrivent trop peu, trop tard. On va réparer quand même. Oh, ils sont passés où les autres? Bon, bah tant pis. Overwatch. Là, qu'est-ce qu'on a? Fusil laser. Oui, on va envoyer en renfort. Et fusil plasma en renfort. Si je peux passer mon artillerie au-dessus, ça irait très bien. Psyker, on va quand même aller voir le point. Essayer de le protéger. Quitte à mettre un vortex dessus. Hein. Là, le Psyker, là, on va pas aller se balader. C'est bon, on reste sur ce point-là au cas où il va nous le reprendre. On va planquer nos troupes. Je pense qu'ici, c'est bouclé. On va soigner bah, lui-même. Hop, voilà. Ça, on va laisser la sentinelle les harceler. Ils sont brisés, c'est juste pour pas qu'ils se cassent par là. Hop. Tank, tank. Ouais, alors là, on n'a pas fini, mais on devrait l'emporter à terme. Ça tente vraiment trop ça.
Ici, bah oui, on redescend du coup. Alors, il faut quand même qu'on prenne le point. Je sais pas comment on va se démerder. Non, c'est le fumigène. Ça va pas être un tank qui va y aller, hein. Alors, le lance-grenade. Ah, dommage, on a plus de visibilité. Sinon, on aurait pu faire des dégâts, il y a des trucs. On va aller voir. Oh non! Oh, la belle embuscade! Ah, c'était bien joué, parce que là, on avait... En fait, peut-être une case plus tôt, c'était bon. Et une case plus tôt, on pouvait tirer là-dessus, ça touchait lui et lui. Oh. Ok, bon, pas de bol. Le Melta peut faire mal sur eux. On a une frag. Ok, en deux tirs, on l'avait si jamais il avait pas riposté. Ouais, parce que là, on fait plus assez du coup. Ah merde! On l'a raté. Ok. J'avance parce qu'il n'y a plus de. De cac, hein. Un de moins, il reste lui là. Mais il y a ça. Oh. Oh là là, je peux même pas leur tirer dessus. J'espérais un tir raté. Ok, Overwatch. Et Overwatch. Bon, jolie embuscade de la part des Geats. Et fin de tour. On va peut-être le rater là-bas. Aïe aïe aïe, il y a un canon, un soupa canon. Le soupa canon, il peut casser notre chevalier. 150, c'est pas mal. Ah, le canon de bataille peut leur faire mal alors, hein. On sort bien sur les distances de course, hein, parce qu'il bouge vraiment pas vite, hein. Voilà, il s'est débarrassé de tout ce qu'il y avait annexe. Maintenant, c'est les Geats qui vont nous avoir, mais les Geats n'encaissent pas autant que les Meganobs, donc ça devrait le faire. Pas de crack. Ok. Bon, là, ce qui est cool, c'est que les assauts peuvent pas nous choper. L'artillerie peut rester sur place, le bolter, non. Je peux y aller au bolter. Allez, on se met sur la hauteur. Évidemment, on veut des tirs d'artillerie sur les méchants. Oh merde. M'en fous, je veux une bonne vision. On va se faire éventrer. L'hélico, stubber. On va faire le canon sur ça. Ça tank de fou. Ok, ça c'est dur parce que je sais pas s'ils vont passer l'hiver. Hein. Ok, par contre, petit tir d'artillerie là. Ouais, l'infanterie éclate. Quand même rater l'hélico. Allez, on va le tanker. Hein. Tir de bolter, on s'en fout. Ok, on l'a tué. Qu'est-ce qu'on allume et avec quoi? Laser sur lui, 120%. C'est pas mal. C'est du double tir de sentinelle en gros, hein. Là, on a du plasma. Je sais pas si on atteint. Mais on aura un petit Overwatch. Ou alors, je protège ce petit groupe avec une petite fumigène. On aura quand même l'Overwatch là. L'hélico. Non, pas l'hélico. Mais on peut tirer sur le Dread. Oh, cette distance.
Qu'on fasse 12, c'est déjà un miracle. 12 et 20, c'est miraculeux. Ok. Bon. Eh ben, c'est quand même loin d'être fou, hein. Alors, ici, on a ça. Et on a vu que le canon... Ouais, mais bon, on va le faire comme un salopard. Hein. On va pas les laisser nous attraper, hein. On va flinguer les guides. Juste prendre un tir. Ok. Bon bah on est prêt à coller une rouste aux autres là-haut. On va gagner. Alors, le psycheur. Fou. Mais il faut quand même y aller, hein. Je dis ça depuis tout à l'heure, mais il n'y a personne qui va chercher l'objectif, là. Ok. On va se planquer là. On va se planquer là. Voilà, là, on touche à rien. Toi, tu vas aider en bas. Ouf. Je sais pas si c'est une bonne idée. Oh, admettons. Ils sont tellement lents ces tanks. Ok. Le chevalier risque de tomber hein, quand même. La sentinelle, ah bah lui il peut y aller à l'objectif. Tour restant 4, 3 sur 2. Pour le moment on gagne hein. À l'objectif, mais bon. Il va pouvoir protéger là. J'hésite à faire un vortex, mais ils sont loin. J'espère juste qu'il va pas y avoir un renfort sur ce point là. Il faut qu'on prenne ce point aussi, hein. Ah, ça sent le renfort ou le boost d'un chef. Ah, les renforts là-haut. Oh non, ils sont plus que deux. Oh, il a mis les renforts dans l'endroit qu'on n'a pas capturé. Tir latéral qui nous tue. Oh là là, il a fait un crit sur le second, hein. Les buggy sur la garde, ça pique. Le rocket heureusement qui rate et qui one shot. Putain, là on avait gagné, il restait un seul gars à tuer. Et il y a toute une bordée de renforts d'assaut qui viennent d'arriver. Il faut se replier avec les Deleman. Ça sert à rien de les combattre, autant leur laisser le point et aller protéger les autres. On va tirer en reculant. On va faire un repli. Ouais, là ça a lâché. Le brouillard de guerre d'un coup. On peut se réparer aussi, hein. Alors, hop. Oh, il a eu pas pris tant que ça, mais... Ok. Une belle hauteur. Bim, et de deux. Laser parce qu'il est tout seul. Ok, et bolter. Ah! Ah, mon bolter qui passe pas sur la distance. Ok. Psyker. On avance. Hop, on lance la TP. Là, on prend le point. Parce que ça aurait pu repopper là aussi, hein, ce qui aurait été atroce. Juste parce qu'on n'avait pas le point. Hein. On a des médics là qui serait bien d'aller utiliser. Pareil pour eux. Ils ont
probablement des sacs d'explosifs. Plasma. Flinguons les hélicos. Mais je crois que s'avancer, c'est une erreur. Ah, mais c'est un paquet de deux? Ah, je sais pas trop. Probablement pas. Ok. Replions-nous. Le plus loin possible. L'infanterie, hein. Mais les hélicos, il y en a un qui est en sale état, je peux peut-être l'avoir. Évidemment, j'ai fait les dégâts à l'autre. C'est pas grave. Celui-là, on va pas reculer trop. On va les entamer tous un peu, voilà. Pas de Volter. Là, il faut reculer. Hein. Sinon, on va se faire éventrer par le bordel. Et en même temps, on peut rien lui faire. Hein. Tuer les trucs. Bon, on a eu les deux hélicos au moins. On va préparer un Overwatch là. Et ça sent pas bon. Du tout, du tout. Le psycheur, faudrait aller lancer un vortex, mais. Ouais, prochain tour. Là, canon. Vanquisher. Ah, ça par contre, ça peut faire mal. Joli. Ok, ça c'est propre. Les hélicos vont pas nous avoir, par contre le buggy devrait nous avoir, donc il faudrait un petit peu l'allumer. Idéalement le tuer. Combien de tours à tenir? Oh là là, c'est nous qui menons l'assaut, hein. C'est terrifiant les assauts, il y a toujours beaucoup trop de troupes en face. Joli. Ok, on a stoppé un groupe d'assaut justement. Et lui, il se regroupe par là-bas hein, pour se prendre des vortex. Très, très bien. Ouais, les guides, on va pouvoir les vortex, mais attention, hein, les Overwatch vont piquer probablement. Il nous aura pas comme ça. Le peu qui touche, on les évite. Ouais, si je balance sur le Death Dread, ça devrait être bon. Attention, hein, les bécanes d'assaut, c'est fait pour tuer les tanks. Ça par contre, on esquive bien. Hein. Là, ça va faire mal, hein, le vortex. J'ai bien fait de le garder. Des fois, je le lance parce que j'ai peur que le psycheur se fasse tuer avant. On va remettre le pouvoir. Et là, le vortex. Bah, si on veut pas prendre un Overwatch de eux, quoique, on lance direct le vortex là. Et puis on peut les faire paniquer, comme ça ils restent dedans. Et on peut se mettre à l'abri. Le tank. Alors on est en train de se replier. 1, 2. Il est où mon troisième point? Il est là-bas. Waouh, non, il faut aller défendre là, ok. On a un tank qui gêne. Quand même protéger l'arrière hein, de ce qui déborde là. Ok, l'artillerie, hop, on se décale. Oh, on a un bolter, oui, très bien. Et là, c'est trop beau pour ne pas en profiter un peu quand même. Là on bouge pas, on va se faire un guide justement. J'avance pour le bolter. Je vais leur mettre un coup quand même pour le moral.
les assauts. C'est de pas foncer en ligne droite dessus quand même. Le psy. On reste par là. Celui-là, on va rester sur le point. Et la sentinelle sur le point. Voilà. Bah on contourne. Il y a quoi derrière? Un truc sur quoi on fera rien. J'aime bien l'idée de contourner, ça les force à faire autre chose. Ok. Ah, dommage. Bolter, ça aurait été cool d'en toucher un autre, ou de l'infanterie, mais bon. Et bah lui, du coup, ça s'est bien passé, ils sont éloignés, hein. Ouais. Bof, le buggy. Pas mal. Pas mal du tout. Combien de tours? 2 tours et on est à 4 points pour nous. Allez, 2 tours à tenir, ça peut passer. Il s'est pas assez éloigné du vortex. Là il fonce dedans. Là il va déclencher de l'overwatch, non même pas. Bon, il tire n'importe où avec son truc à la con. Ça me va. T'as pas un overwatch sur les lance-flammes, dommage. Ok. Ça le fait. Renvoyons le psycheur au combat. Oui, à l'assaut. Prenons tous les overwatch. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Ah, trop loin. Ok, tuons-en. Check. Toujours un de moins. Le canon, bon, on va se faire juste ça. Ok, on aura un overwatch, les assauts, on va les rester derrière le tank, l'artillerie, j'ai pas besoin de bolter sur ça, on s'en va. Ok, je vais tirer sur eux. Bon, on a tué tout le monde, ok. L'artillerie a fait trop mal. D'ailleurs, question, ils ont... Ouais, ils avaient pas besoin d'XP l'artillerie. Hein. Mais on veut quand même virer toutes ces conneries. Et ce buggy, pourquoi pas? Ah, on est trop loin pour le buggy. Oh, la tristesse. J'ai qu'un tir? Non, j'ai bien un autre tir, mais on est trop loin. Ok. Ok. Le Punisher. Bon bah du coup, il m'envoie plus rien là. C'est bizarre, non? Il devait avoir juste un petit peu de résidu de points de... Point de victoire qu'il a fait popper sous forme de quelques assauts là-haut. Mais il n'y a pas grand monde. Hein. Hop, les deux qu'on a laissés, du coup, pas besoin de se soucier. Là, on va tenter au plasma. Oh là là, le crit qui tue au plasma. Que c'est beau. Hop, le Vanquisher. Bam. Le Vanquisher. Bam, ouais, pouf. Ben, on va le prendre bien de dos. Ouh, il y a du gros là. Il y a le laser. Le canon, moi je sais jamais. Hein. Au bolter, on a presque fait plus au bolter, n'importe quoi. Ok, ça c'est fait. Sentinelle, on bouge pas, ça on bouge pas. Eh ben, fin de tour et ça doit être la victoire. Il aurait pas fallu beaucoup plus de renforts, hein. Mais on s'en sort quand même avec pas mal d'unités restantes et suffisamment puissantes. Tous nos lamans sont toujours debout. Donc on avait encore de quoi gérer pas mal de trucs, hein. En fait, le fait d'avoir lancé un assaut sur le camp à droite, vous voyez, nous a pas porté particulièrement chance, hein, parce qu'on avait gagné le premier assaut. Et ensuite, on a été obligé de se replier sur le renfort.
Ah, j'ai peut-être paniqué trop vite, j'aurais peut-être dû continuer à avancer sur ce point. Mais il restait que deux Lehman, hein. Je me suis dit, s'il nous balance 10 assauts, c'est mort. Hein. Eh ben non, finalement, c'est passé. Ok, et c'est la victoire. Bon, une mission intéressante, 3 level up quand même. Et on a de plus en plus de level up, évidemment, hein, sur nos gars. Donc là, probablement qu'on est pas mal. On avait un Ella au niveau 2, j'espère que c'est lui, Monsieur Nabo. La sentinelle, ben, je pense que c'est la dernière qui était level 3, donc on a que des level 4. Une épée de puissance, ben, c'est toujours bien, parce que c'est pas facile à les monter. Malgré que ben, finalement c'est très puissant, donc ça devrait faire énormément de dégâts, mais voilà. Il nous reste deux missions à faire et ensuite on aura l'Imperium arrive. Donc la dernière mission. Merci d'avoir suivi et à bientôt.